Ce sont au total 358 cartons de produits phytosanitaires prohibés qui ont été saisis au corridor d'Agboville. Selon les responsables du bureau de contrôle des produits phytosanitaires, la plupart des produits saisis contiennent des substances et matières actives interdites en agriculture, créant de nombreux dégâts sur les produits maraîchers ainsi que sur la santé des populations. Une raison qui a amené le secrétaire général des préfectures d'Agboville à dénoncer ce type de trafic qui constitue un véritable danger pour la population ivoirienne. Il a invité les Ivoiriens et particulièrement les agriculteurs qui exercent dans les maraîchers à s'adresser aux structures officielles de l'État afin de bénéficier des produits phytosanitaires recommandés. Quant au secrétaire général de préfecture, il a salué l'action des forces républicaines de Côte d'Ivoire basées à Agboville pour la promptitude et l'efficacité dans la lutte contre les produits prohibés. Cette saisie intervient une semaine après une rencontre initiée par la direction régionale de l'agriculture avec les forces de sécurité et sous la supervision du préfet des régions en vue de la mise en place de stratégies communes. Le camion et sa cargaison ont été conduits à Abidjan en vue de la destruction des produits phytosanitaires.